Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie. Vous connaissez l'alphabet Oui, je sais bien que certains d'entre vous le connaissent. Mais A, B, C, D, E. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les lettres sont dans cet ordre-là Non Eh bien, on va y répondre. Voici la bataille de l'alphabet. Dans la grande prairie des hommes, il y a longtemps de cela, il y avait des paroles et des mots, mais il n'y avait pas d'écriture. Pas une recette écrite de gâteau au chocolat, pas une liste de cadeaux pour le Père Noël. Ce n'était vraiment pas drôle. Les hommes décidèrent donc d'inventer l'écriture. Ils dessinèrent les lettres et ils donnèrent un nom à chacune. Puis ils dirent Maintenant, nous allons vous trouver un ordre que les enfants du monde apprendront quand ils auront l'âge de savoir écrire. Ils décidèrent donc de donner rendez vous aux enfants et aux lettres pour choisir ensemble cet ordre. P s'écria Si on faisait un pique-nique, B dit Avec des biscuits et des bonbons, ils s'assirent en rond sur l'herbe fraîche. Mais voilà que poussant les autres, Z s'écria en zozotant, « Avec mon corps en zigzag, c'est moi le plus joli Ze serai donc la première lettre de vous tous. Les autres lettres lui, lui crièrent. Espèce de zigoto qui se vante, il n'est pas question qu'on te laisse à première place. Puis elles se mirent à se battre entre elles. Alors A bégaya. Ah, attention, vous allez vous faire mal. Les enfants ouvraient de grands yeux étonnés. Ça commençait mal. Les hommes crièrent à Z. Z, ça suffit, tu sèmes la zizanie. I demanda Ça veut dire quoi, zizanie On appela S, le savant qui sait tout. S, dit I, tu n'es qu'un ignorant. Les enfants se mirent en colère. Ils dirent, nous non plus, on ne sait pas ce que c'est la zizanie. Ce n'est pas un crime quand même de ne pas savoir. Calmement, les hommes expliquèrent. Semer la zizanie, cela veut dire fâcher tout le monde contre tout le monde. Et pour te punir, Z, tu seras la dernière lettre de la liste. Z dit zut. Y cria youpi, c'est bien fait. Et pourquoi ce ne serait pas moi le premier de la liste Il n'y a pas plus joyeux que moi. Les enfants applaudirent. C'est vrai, la joie, il n'y a rien de mieux. J dit c'est juste. Et comme le début du mot joie c'est moi, le premier ce sera moi. Oh dit O oh, en se dandinant, mais tu es aussi la première lettre du mot jalousie, et ça ce n'est pas joli joli, hein? La bagarre allait recommencer. Ah supplia. Ah arrêtez, je vous en prie. Les hommes grondèrent. Silence, ou on n'y arrivera pas. Les lettres ne bougèrent plus. Mais les enfants dirent aux adultes Les disputes, ça fait partie de la vie. Vous ne supportez ni le bruit ni le désordre, vous n'êtes vraiment pas rigolo. Et ils leur tournèrent la tête. Dans le silence revenu, on entendit W qui sanglotait avec de grands hoquets de tristesse. Il dit Ça m'est égal de ne pas être le premier de la liste, mais je vous en prie, ne me séparez pas de mon cher vieux V, parce que je suis, je suis le double de V. C'était d'un triste, tout le monde pleurait. Dans la grande prairie du monde, V s'avança et dit « Ne t'inquiète pas, mon cher W, moi aussi j'ai besoin de toi. On ne se quittera pas. » Les lettres hurlèrent en chœur « Vive et les enfants répétèrent « Vive Alors, dans les herbes hautes, M se leva. Il poussa doucement S qui somnolait, D qui dormait et R qui rêvassait. Qu'il était mignon ce M. Il sourit et murmura Et la première lettre de maman Ça ne vous plairait pas pour démarrer votre liste Tout le monde ou presque était d'accord. Miracle, les enfants suçaient leurs pouces en souriant. Mais voilà que dans les hautes herbes, la tête de P apparut. Il roulait des yeux terribles en disant Et les papas, ce n'est pas aussi important que les mamans, peut-être Plus important, même. Quelle peste ce P Les enfants s'écrièrent Non, pas plus Pareil Dans la grande prairie du monde, il y eut un grand découragement. Quand tout à coup, T trottina entre les lettres en disant Tout doux, écoutez-moi je suis timide, c'est vrai, et taquin aussi. Je trébuche et je tombe tout le temps. Mais si vous saviez comme j'ai envie, tellement, terriblement, trop envie d'être à la tête de notre liste, les hommes dirent, Top là, T, tu seras le premier. En plus, tu es la première lettre du mot temps, qui est si important. Tout le monde était content. Sauf les enfants qui s'écrièrent ⁇ Non, non et non, nous ne voulons pas de la lettre du temps à la tête de la liste. Quand nous allons vite, on nous dit de prendre notre temps. Quand nous allons lentement, on nous dit que nous perdons notre temps. On vous prévient, si vous choisissez T, on refuse d'apprendre à lire. ⁇ Les hommes se turent, parce que les enfants avaient raison. Alors, dans le silence... La voix de B s'éleva. Et A. Notre A d'amour et d'amitié. N'est ce pas, lui dont nous avons le plus besoin? Les enfants hurlèrent. Hurrah pour A. B dit bravo, quel bonheur. Les hommes dirent. Mon cher B, tu es la bonté même. Tu seras la deuxième lettre de la liste. Elle portera votre deux noms. L'alpha B. Les autres lettres se fâchèrent. Et nous Dans quel ordre allons-nous nous mettre Les enfants dirent On a une idée Regardez. Et ils commencèrent à se mettre les uns derrière les autres. D'abord Alma, Annabelle et Adrien. Ils portaient A en criant A ah Bianca saisit B. Les enfants hurlèrent B Céleste et Cécile les rejoignirent avec C. David avec son D. Emma et Elliot avec E. Et François avec F. Georges et Gérard portaient G. H. Henri brandissait H. Et Ibrahim son I. Jeanne, Julie, Joséphine et Jonathan se mirent derrière eux avec J. Kevin avec K. Luma, Luna et Lila avec leur cher L. Marguerita et Mélanie avec leur doux M. Et Nicole avec son petit N. Oscar apporta O. Prunel, Pablo et Pietro, P. Quentin, Q. Raphaël et Roman tenaient leur grand R. Suzanne, Sam, Stella et Salomé, leur joli S. Théo, son T. Ursule, son U. Vera, son V. Wagner les suivait avec W. Xavier, avec X. Yves, avec Y. Enfin, Zoé et Zéphyr se mirent en bout de rang, puisque leurs pauvres êtres étaient punis. Pour le consoler et parce qu'on l'aimait beaucoup, les lettres crièrent en chœur « Z !» Et depuis lors, rien ni personne n'est venu déranger l'ordre de l'alphabet qui avait été choisi en ce grand jour de l'invention de l'écriture. Et voilà pourquoi l'alphabet est dans cet ordre-là. À demain les enfants